Bon, bonjour à tout le monde, enfin bonsoir. Paris s'est enfin décidé au bout de 2 mois à se décider. Donc, les indignés de Paris se lancent pour une constituante. Après Metz, Quimper, Nantes et Lyon, l'Assemblée générale de Paris décide de se lancer dans le processus de référendum pour une constituante ce dimanche 22 janvier 2012 comme réponse à la question souvent posée « Que voulez-vous ?» et à laquelle nous répondons toujours « La démocratie réelle, maintenant. Nous voulons qu'enfin le peuple lui-même soit décisionnaire. Ce n'est pas aux gens de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Parce que nos rêves n'entrent pas dans leurs urnes, nous vous appelons dans toutes les villes et villages à participer au référendum pour un processus constituant. Nos buts seront ceux que chacun d'entre vous co-élaborera et co-organisera pour. Écrire une nouvelle constitution, sortir de l'ancienne politique, changer de système économique et institutionnel, mettre en place une démocratie réelle. Habitants, citoyens, nous vous appelons à ne pas attendre les présidentielles, mais à mener d'ores et déjà campagne pour venir au référendum et répondre à la question « Voulez-vous une nouvelle constitution écrite par et pour le peuple ? Oui ? Non ?» Partout, du 14 au 22 avril et du 28 avril au 6 mai, dans les villes et les villages, les quartiers, sur chaque campus, devant chaque entreprise, dans tous les lieux de passage, faisons fleurir des bureaux de vote, des assemblées et faisons germer la démocratie. Des cahiers de doléances, propositions, indignations permettront à ceux qui le souhaitent de contribuer à cette réflexion collective. Que là où les indignés ne sont pas encore regroupés, se créent dès maintenant des comités pour une constituante. À charge pour eux de commencer déjà leur campagne et d'animer les débats dans les rues, sur les places et parfois à l'abri. Nous avons laissé dormir 1789 dans les musées. Nous l'en sortons maintenant pour le changement. Nous appelons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre et à participer activement au changement démocratique que nos vieilles institutions sont capables d'entendre. Que les pouvoirs tremblent, car ce peuple uni ne sera jamais vaincu. Nous proposons à tous, ceux qui veulent faire vivre ce projet, de nous réunir à Clermont les 4-5 février et les 7-8 avril à Paris. Nous y ferons le point avec les villes et les villages sur l'avancement du référendum et pour préparer l'après-référendum. À bientôt. Voilà. À bientôt. On y participe. Et vous ?